Oui, ça c'est tiré. Oui, alors toi t'es là, puis elle est là, le public est là, t'es là, elle est là. Ok. Ça c'est tiré. Celle-là, c'est la 12e ou 13e. Il y en a eu 10 chaque année. Chaque année, on en avait 10. Celle-ci a servi, elle a fait sa carrière à la télévision. Bon, par exemple, c'est Gustave qui a dû faire brûler le souper. Ah, je vais aller voir. Non, d'une bonne lunette. Je parie que c'est la crème au chocolat. Ah, évidemment, je ne peux pas m'occuper de deux choses en même temps. Mes cours et la cuisine, non, d'une bonne lunette. Maintenant, elle est relayée. Où elle se plaît chez moi. Ah bon, c'est-à-dire sur mon bureau, puis elle m'inspire tout le temps. Alors je fais beaucoup de choses grâce à Bobinette, qui me dit il faut faire ça, il faut faire ça, puis je le fais. Cours de cuisine! Comment? Tu veux nous donner le cours de cuisine? Parfaitement! Et ça tombe bien! Je n'en avais pas encore donné. Elle s'usait, Bobinette, elle s'usait, et des fois elle avait un nouveau costume qui était compliqué à mettre. Alors elle avait son costume d'avance, ou des fois même toute la semaine. Les costumiers, les costumières, préparaient des costumes pour une semaine, pour 10 jours, pour 15 jours, puis après ils arrêtaient, faisaient autre chose, puis ils revenaient à Bobino, puis ainsi de suite. Alors pour préparer les costumes, ils sont cousus. Il fallait les faire intégralement. Et Bobinette, tout le monde sait préparer des œufs au miroir? C'est pas sûr. Donc, pour préparer les œufs au miroir, voilà, il faut que vous commenciez par aller chez le bricolier et puis ensuite vous choisissez un miroir d'une bonne grandeur. Mais Bobinette! Parce que la première année, un après-midi à 4 heures, au moment de commencer Bobino, on s'est aperçu qu'il n'y avait plus de Bobinette. Oups. Elle avait été volée. Oh là là! Alors, l'émission n'a pas eu lieu. Oh. Ah non, si, je raconte une histoire. L'émission a eu lieu, mais après avoir lancé dans tout Radio-Canada un branle-bas comme il n'y en a jamais eu. Les haut-parleurs disaient, celui qui a pris Bobinette, rendez-la, on a celle-là, elle commence dans un quart d'heure au fond de l'émission. Et finalement, on a retrouvé la Bobinette dans les toilettes. Les Bobinettes, vous cassez vos œufs sur le miroir, vous assaisonnez votre cou et puis vous portez à ébullition. Évidemment, s'il y a des poussins dans les œufs, ne les laissez pas. Hein. Le miroir aux poussins, ça n'existe pas. Seulement les miroirs aux allopettes. Mais qu'est-ce que c'est que cette salade, Bobinette? Alors on a décidé qu'il y aurait beaucoup de marionnettes. Puis tranquillement, ça s'est étoffé, l'émission. Alors plus ça s'est étoffé, plus il y avait de costumes, plus il y avait de ceci, de cela. Alors là, il fallait des bobinettes d'avance. Et elles étaient là. Eh bien. J'en ai deux, moi. Je n'en suis pas si sûr que toi. Tu vas arrêter tout de suite de nous raconter ces salades. Mais j'arrive au dessert, là, Bobino. Tu veux pas que je t'explique comment on fabrique une crème renversée? J'ai celle-ci, puis j'en ai une autre chez moi. Ah bon. Alors celle-ci est en meilleure santé que celle que vous avez laissée à la maison. C'est ça.
Alors, longue vie à Bobineau et Bobinette et à M. Caillou. Santé. Merci. Oui, c'est ça, Mme Varenne. Merci bien. On va aller la remettre en sécurité là-bas. Hein? Une crème renversée sur un Bobineau! Grand total de $92 000.